première patiente depuis moi. Vous avez vu ça? Ils sont tous à penser que je suis un patient à cause de cette canne. Donc, mettez une blouse blanche comme le reste entre nous. Mais je ne veux pas l'air de « je suis un médecin ». Les gens ne veulent pas de médecin malade. D'accord, je n'aime pas les patients en bonne santé. La femelle qui a 29 ans? Tu es l'oncologue. Je suis juste un docteur de malade. Ah, oui, un médecin simple. Le tumeur de sauveur à son âge ne sent pas comme un. Les marques protéines pour les trois principaux cancers se sont révélées négatives. Elle n'a pas d'histoire de famille et elle ne répond pas au traitement. Ça ne veut dire rien. House, allez, viens. Tu as deux médecins, ton équipe très compétente. C'est une lésion. Et la grande chose verte au milieu de la plus grande chose bleue sur une carte est un île. Je m'attendais quelque chose avec un peu d'imagination, s'il vous plaît. Ne devrons-nous pas parler à la patiente avant de commencer le diagnostic? Est-ce qu'il y a un médecin? Non, mais... Tout le monde ment. Êtes-vous en première année de l'école de médecine? Il n'y a rien sous le scanner. Si ce n'est pas une tumeur, quels sont les suspects? Any reason? Un accident vascular cérébral ou un ultra syndrome ischémique. Bon, vous pouvez procurer un contrat sérum, s'il vous plaît. Je vous attendais dans mon bureau pendant 20 minutes. Vraiment, c'est bizarre parce que je n'ai pas l'intention d'être dans mon bureau il y a 20 minutes. Vous pensez que nous n'avons rien à parler? Non, juste que je ne peux penser à quelque chose à laquelle je m'intéressais. Je signe vos chèques de salaire. Mais j'ai la teneur. Je peux encore vous renvoyer si vous ne faites pas votre travail. Je suis ici une offre à 5 heures. Vous ignorez les demandes du consul. Parfois, je ne téléphone pas à la bonne personne. Vous êtes de 6 ans en retard sur vos demandes à cette clinique. Vraiment? Ah, j'avais raison. Cela ne m'intéresse pas. Tu me dois 4 mois. Il est 5 heures, je rentre chez moi. House! La seule raison que je ne vous renvoie pas, c'est parce que votre réputation a une valeur à cette clinique. Excellent, nous avons un point de corps. Vous n'allez pas me virer. Nous injectons gadolinium dans un vent. Elle s'est distribuée, traverse le cerveau et agit comme un agent pour le contraste de la mesure par résonance magnétique. En gros, quel que soit dans sa tête, il s'illuminera comme un arbre de Noël. On pourrait faire sentir un peu l'agité à la tête. Il y a un problème, je dois aller. Elle a une réaction allergique au gadolinium. Elle va mourir. Je vous ai dit de ne pas confiance aux gens. Vous voulez vraiment que je parle à la patiente pour obtenir une histoire? Nous avons besoin de savoir s'il existe des causes génétiques ou environnementales déclenchant une réaction inflammatoire. N'oubliez pas, la vérité commence dans le mensonge. Cela ne veut rien dire? Elle s'aggrave trop vite. Elle ne peut pas se tenir debout. Qu'avez-vous trouvé qui n'explique pas ses symptômes? J'ai mangé du jambon à son appartement. Ceci là est... Imbécile, vous avez dit que vous ne trouverez rien. Où il y a du jambon, il y a du porc. Où il y a du porc, il y a du nourriceros. Monsieur Nurlock, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous donnez stéroïdes à une personne qui a un tenia? Regardez bien en premier, avant qu'elle s'agrave. Comment va ça faire? Nous allons arrêter tout le traitement. À ce point-là, peut-être qu'il n'y a rien qui s'en fait. Alors, nous n'allons rien dire. Nous allons la regarder mourir. Le Docteur House. Il est bien de vous rencontrer. Tu es un imbécile. Vous avez un tenia dans votre cerveau et si nous ne nous faisons pas quelque chose, vous avez mort dans ce cas. Avez-vous vu le tenia?
quand vous allez venir, je vais te montrer mes diplômes. Donc, tu te caches dans ton bureau et refuses de voir les patients parce que tu n'aimes pas la façon dont les gens te regardent. Tu veux que je lutte contre ces teignants? Pourquoi? Tu penses que je suis tellement mieux que ça? Je vais mourir avec un peu de dignité. Vous pouvez vivre avec la dignité, mais vous ne pouvez pas mourir avec la dignité. Peut-être que nous pouvons obtenir une ordonnance du tribunal. Ça n'est pas passé ici. On ne va pas le faire. On respecte cette fille. Et parce que vous respectez cette fille, vous allez la laisser mourir. J'ai reçu cette caisse. Mon travail est terminé. Vous avez menti un ami pour savoir un étranger. Tu ne crois pas que ce soit foiré? Tu ne m'as jamais menti. Jamais. Oh, vraiment? Oh, oui.